Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 16, il est déjà 11h56. Franchement, je vous prends que maintenant parce que j'avais énormément de choses à faire et en fait je me suis concentrée puisque Aria aujourd'hui est à la cantine. Donc je me suis dit que là je pouvais vraiment m'avancer sur mon boulot puisque je vais pas devoir me couper, etc. Donc ça va être plus simple pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de rattrapage de boulot à faire, les mails, enfin j'avais plein de choses à faire, j'y suis encore, hein. J'ai pas terminé, sauf que là je commence à avoir faim. Et j'étais en train de dire avec David qu'on pourrait se faire livrer un truc là avec Sacré-Armand. Sauf qu'il vient de me dire que c'est pas possible parce qu'en fait toutes les enseignes qu'on aimerait se faire livrer, c'est disponible que à partir de ce soir. Voilà, et c'est déjà la deuxième fois hein, que ça fait le coup, on sait pas pourquoi. Voilà, donc blasé, blasé, blasé. J'avais trop envie d'un truc à faire livrer là, j'avais pas envie de faire manger, j'ai pas d'inspi, j'avais pas envie de me couper, etc. Donc voilà. Nono, oui, c'est vrai que je vous ai plus donné de nouvelles de Nono depuis quelques jours, mais en fait il pète la forme, donc du coup c'est pour ça que je vous donne plus de nouvelles parce que enfin, il n'y a plus rien à dire parce que pour moi c'est comme si, depuis mercredi en fait si vous voulez, pour moi c'est comme s'il s'était jamais fait opérer tellement qu'il pète la forme. Il a l'impression qu'il a jamais été opéré quoi, tellement que voilà. Donc bah nickel, il va très bien, donc tout va bien. Evan est à la maison aujourd'hui parce qu'il a pas cours et puis du coup Evan et Nolan aussi hein, forcément, donc j'ai les deux garçons avec moi. Aujourd'hui, par contre, Aria, comme je vous ai dit, elle est à la cantine, donc voilà. Mais j'ai beaucoup de boulot, j'ai beaucoup de boulot, boulot, boulot. Donc, bah, les garçons, ils se sont occupés tout seuls, ensemble. Et quand ils sont ensemble et qu'ils s'ennuient, ils se chamaillent. Donc, c'est très compliqué de travailler à côté. Non, mais je vous jure. Mais voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. David qui m'envoie l'emoji et qui pleure parce qu'on peut pas se faire livrer. Moi aussi, j'ai envie de pleurer. J'avais trop envie d'un truc genre tacos, un truc bien gras et tout. Bon allez, je vais continuer mon petit boulot. En tout cas, ce qui est cool, c'est que ce matin, j'ai vraiment pu avancer. Déjà, j'ai fait mon montage hyper rapidement, donc c'est cool. Après, j'ai pu attaquer le ménage des sols, les poussières, la cuisine, la salle de bain, mon appareil à café là. Ma cafetière, j'ai pu tout nettoyer à l'intérieur, etc. Enfin bon, bref, j'ai fait un gros gros ménage, ça fait du bien. Donc là, je suis tranquille, j'ai plus rien à faire. Voilà, allez, à toutes. Juste après que j'ai éteint la caméra, j'étais sur l'ordi, donc toujours. Bon, parce que ça fait 1 heure hein, que je suis dessus, j'ai des références à chercher, etc. Ça fait 1 heure. Hein. J'étais sur l'ordi, donc du coup, en fait, sans faire exprès, je croyais que j'avais sauté une ligne sur un truc. Donc j'appuie avec la touche flèche de l'ordi pour effacer, pour monter la ligne. Tout, entièrement, toutes les références s'effacent. Sauf que bah, ça faisait 1 heure que j'étais dessus pour chercher ces références. Et donc en fait, j'ai tout effacé d'un coup. Je croyais que peut-être ça s'était enregistré dans le brouillon. Donc je vais voir dans le brouillon. Et en fait, le brouillon, c'était le message vide effacé. Donc comment vous dire que là, j'ai plus envie en fait. J'ai plus envie, sauf qu'il faut que je refasse tout. C'est un casse-tête de ouf pour chercher toutes les références. Je vous jure que j'ai envie de me flinguer là. Je vous le jure. C'est horrible. Putain, quand des trucs comme ça, mais ça arrive, mais t'as envie de prendre l'ordi, mais du bain. Mais allez. Et en plus, j'ai la dalle donc. Ça aide pas. Peut-être David va me ramener un taco s'il m'a proposé là. Allez. Allez, du coup, monsieur est revenu avec tacos. En fait, finalement, il est allé chercher lui-même parce que les livreurs ils sont pas disponibles apparemment à midi là.
Donc il est quand même revenu avec. Donc moi j'ai pris classique tacos poulet, voilà, frites, iced tea, Nono un bon burger. Ah ouais. Il est beau son burger. Ouais, c'est sûr. Coca frites, monsieur un géant tacos. T'as pris quoi, deux viandes j'imagine, trois? Ouais, deux. Non, deux. J'ai pris cordon bleu et poulet. Ah ouais. Frites et coca et Evan. Ouais. Le même que moi, poulet, iced tea et frites. Bah Evan et moi, c'est exactement les mêmes menus. Voilà. Bon app. Bon app. Allez, je vous retrouve dans la voiture. Là, il est 14h35. David, juste après le repas, il est reparti à son boulot. Et là, il est revenu. En fait, j'attendais qu'il ait fini ce qu'il devait faire à son boulot pour partir. Parce que je me dis que là, aujourd'hui, c'est le dernier jour où je peux partir encore seule, on va dire, avant les vacances scolaires. Oui, voilà, avant les vacances scolaires. Du coup, j'en profite. Déjà, je vais essayer de trouver un truc, un petit cadeau pour mon père. Parce que j'ai tous les petits... Oh non, il y a à nouveau de la boue sur la route et tout, j'aime pas ça. Je roule tout doucement pour pas que ça éclabousse. Bah oui, parce que ma voiture est en blanche. Vous avez compris. Surtout que, oh là là, mais je vous explique même pas le bazar qu'il y a dans le lotissement. Aujourd'hui, c'est, alors déjà, tous les jours, hein, c'est un bazar sans nom, mais vraiment. Hein. C'est là qu'on se dit, mais en fait, on ne refera plus jamais la même erreur de se prendre un terrain dans un tout nouveau lotissement et être parmi les premières maisons. Ça, je pense qu'on le fera plus. C'est trop... C'est trop compliqué. Il y a toujours du monde, il y a toujours des ouvriers qui travaillent. La route, vous verriez l'état de la route. Parce que je vous avais déjà dit, nous, c'est de la terre de vigne de partout. Et... il y a des camions, des trucs, des machines, des engins voilà, qui font demi-tour dans la boue mouillée, qui repassent sur la route, qui font des allers-retours. Il y a du sable partout, de la poussière en permanence. Vous verriez l'état de mes vitres extérieures, c'est juste horrible. J'ai perdu foi de les faire toutes les semaines ou toutes les deux semaines, parce que là c'est pas possible quoi. Je fais mes vitres, deux jours plus tard, c'est pareil, parce que bah, il remue partout de la terre, il y a tout, enfin bref, voilà. Mais là, le pire, c'est qu'il y a la commune qui est en train de planter, alors c'est cool, hein, moi je suis contente, hein. En fait, il y a la commune qui est en train de faire les plantations, comment dire, communes, comme on appelle ça, et c'est tout autour de nos maisons, tout autour des grillages de chez nous, etc. Sauf que bah, y a de la, ils ont mis de la terre partout sur la route. On a les bagnoles pleines de boue. Enfin voilà. J'aimerais vous le filmer pour que vous voyez un petit peu l'état parce que vraiment c'est hallucinant. Donc je vais essayer de faire ça en rentrant, de vous filmer un petit peu l'état de la route parce que franchement c'est ouf. Bref, donc je disais, je vais aller essayer de trouver un petit cadeau pour mon papa parce que c'est le seul qui n'a pas encore de cadeau. Parce que j'ai fait tout le monde là. Là, tout le monde s'est fait clôturer. S'il me manque encore juste un petit cadeau pour quelqu'un. Mais c'est surtout pour mon père là. Parce que ma mère, c'est bon. Enfin, ma mère, normalement, je vais devoir. Non, normalement, je réceptionne. Je vais d'ailleurs aller passer au point relais pour voir si c'est arrivé. Normalement, je réceptionne le colis en point relais là ces prochains jours parce que normalement ça devrait être là d'ailleurs. Parce que le 14 c'était déjà envoyé par Mondial Relais donc voilà. Bon, dans les prochains jours, de toute façon, je vais l'avoir. Ça, je pourrais vous le montrer. Ah non, non, en fait, non, non, non. Je pourrais pas vous le montrer parce que des fois ma mère elle regarde mes vlogs. Elle regarde pas tous mes vlogs, mais suffit qu'elle tombe sur ce vlog où je vous le montre et ça va être bah, mort quoi. Donc non, 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 je vous le montre. Pas. C'est dommage parce que c'est une chouette idée cadeau. Mais bon, c'est pas grave. Et ouais, donc là, je vais essayer de voir un truc pour mon père. Les hommes, je sais pas vous. Bah, d'ailleurs, dites-moi en commentaire, je serais bien curieuse de savoir. Je sais pas vous, mais moi, les hommes, je trouve que c'est hyper dur de trouver des cadeaux pour des hommes. Je trouve que c'est
c'est mille fois plus dur que pour des femmes. Les femmes, il y a toujours un petit truc qu'on peut trouver, etc. Enfin, moi, j'ai jamais eu de soucis au niveau des, pour faire des cadeaux pour les femmes. Mais alors, les hommes, c'est une catastrophe. Vraiment. Là, David, je lui ai pris un... Alors, c'est lui qui voulait ça. Hein. Il n'est pas au courant, mais je l'ai quand même pris. À la base, je voulais pas lui prendre parce que... Vous saurez pourquoi quand je vous expliquerai. Mais je lui ai pris une genre de manette, vous savez, qui se branche sur le téléphone pour jouer. À la base, je voulais pas parce que ça, c'est le genre de truc. Tu vois plus ton mec, en fait, quand tu achètes ce genre de truc. Hein. Tu vois plus, en fait. Voilà. Donc là-bas, je me suis dit, c'est mort. Il va plus m'aider à la maison. Je vais devoir tout me taper toute seule, tout ça. Toi-même, tu sais de quoi je parle. Et donc, je me suis dit, c'est mort, je l'achète pas. Et puis, bah, c'est quand même Noël. J'ai un stop, hein, mec. Hein, c'était à toi de passer. Mais c'est pas grave. Ouais, donc je me suis dit, bon, c'est quand même Noël. Allez, on va lui faire plaisir. Mais je sais que je vais le regretter. Mais c'est sûr, hein. Je le sais, hein. Mais bon, c'est quand même Noël. Voilà, j'ai pris ça. Bon, bref. Et voilà. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, allez, du coup, je suis rentrée. Donc, j'étais passée chez Action, Carrefour et Zimane. Chez Action, j'ai trouvé les produits de Fabulosa, mais cette fois-ci, c'est ceux au bicarbonate. Donc, il y a celui au citron, qui est comme ça. Donc, ça s'appelle Pink Limonade, en fait, sur le packaging, mais c'est au citron. En fait, j'ai senti le produit, c'est complètement au citron. Et Floral Bouquet, qui se présente comme ceci, et c'est pareil, hein, c'est au bicarbonate. Les deux, et c'est des multi-surfaces. Ensuite, chez Action, j'ai racheté ces petits biscuits-là parce que franchement, ils sont super bons. C'est des, comme des petits sablés avec du chocolat autour et des petites perles. Ouais, tu connais, toi. Ensuite, une bouteille de vinaigre. J'ai l'impression qu'elle a coulé, mais voilà. C'est une bouteille de vinaigre à l'eucalyptus. J'en avais plus. Des pastilles de Javel, c'est pareil. J'en avais plus non plus. Ensuite, j'ai pris des feutres, mais c'est des feutres à paillettes. Oh, je les aime bien. En plus, à des arcs-en-ciel, j'aime bien les arcs-en-ciel. Ouais. Et donc là, je sais pas, il y a plusieurs sortes. Donc j'ai pris les trois sortes qu'il y avait. C'était 99 centimes le paquet de 5. Moi, j'ai trois. Ouais, donc attends, il y a celui-là. Donc ils disent que c'est glitter marqueur rainbow. Là, c'est glitter marqueur perle shine. Perle shine, en fait. Et glitter marker magical dream. Donc je sais pas ce qu'il change exactement, si c'est les couleurs tout simplement, ou ouais, ça doit être les couleurs parce que finalement c'est pas les mêmes, mais je pense que ça doit être les mêmes styles en fait, tous pailletés. C'est tout bon chez Action. Ensuite chez Carrefour, j'ai racheté des gyoza parce que ça fait un moment que j'en avais plus, donc j'en ai racheté ceux aux légumes et ceux au poulet. J'ai également pris des crozets parce que j'ai envie de faire une croziflette ce soir et j'avais plus de lardons, donc j'ai pris aussi des lardons avec. J'ai pris ces pâtes là parce qu'en fait je prends jamais des pâtes 3 minutes, mais en fin de compte c'est les seuls avec cette forme là qui... Enfin, c'est les seuls avec cette forme là, mais ils sont en 3 minutes, donc j'ai pris quand même. Et j'ai pris des gavottes crêpes dentelle comme ça, au chocolat noir. Je veux les goûter. Tu veux les goûter? Ils sont bons. C'est à quoi? C'est au chocolat et c'est une crêpe dentelle. Ce soir. Ce soir? Ah bon? Oui. Ensuite, chez Zimane, j'ai trouvé ces deux bougeoirs qui sont vraiment trop magnifiques. Franchement, ouais, j'adore. Et en fait, vous pouvez mettre soit des bougies longues ou soit des chauffe-plats. Donc c'est cool. Si je peux pas mettre des bougies longues, je mettrai des chauffe-plats et inversement. Voilà, mais j'ai trouvé le dégradé vraiment très joli. Donc ça, c'était pas très cher en plus, hein, c'était 1,99 pièces. Ensuite, bah, pour aller avec, j'ai pris les bougies comme ça, là, les longues. Parce qu'ils font un dégradé doré et blanche. Ça, c'était pas très cher non plus, c'était 1,79 les deux bougies. J'ai trouvé la tenue pour Noël pour la princesse Aria. Elle est trop belle, c'est paillettes. Une robe noire en velours. Comme ça, elle est vraiment trop belle. C'est à ma taille. Ouais, c'est ta taille. Et ça, c'était 8,99 chez Zimane. Et franchement, j'adore. Elle est vraiment super jolie. C'est trop beau. Voilà, ça c'est pour Noël. Pour aller avec, pour dans ses cheveux, j'ai trouvé ça. Parce que ça va super bien avec. En fait, c'est exactement
bah, les mêmes motifs quoi. Donc ça ce sera parce que je vais lui faire un, vous savez, un chignon un peu style danseuse étoile là. Je vais lui faire un chignon et par dessus chignon comme ça je vais lui mettre ça. Voilà, ça ira très bien dans ses cheveux blond vénitien. Ça c'était 1,29€ le chouchou. J'ai pris également ce petit nœud pour accrocher sur la porte d'entrée, entièrement pailleté. Il est beau, hein? Oui, il est trop beau. Ensuite, un pull. Alors, je l'ai surtaillé. J'ai fait exprès de le surtailler. C'est du 46, hein, la taille. Mais c'est parce qu'en fait, j'avais envie d'un pull un peu effet loose. Et la couleur, elle est super jolie. Ça change. En fait, j'en ai pas des pulls de cette couleur-là. Donc, voilà. On verra ce que ça donne. Et, ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça. Chez Action, j'ai pris des nouveaux sets de table parce que on a des sets de table en bambou, mais c'est vrai que pendant les fêtes, c'est sympa de changer. Et du coup, j'ai pris ceux-là. Alors, on est 5, mais j'en ai pris 6 pour toujours en avoir en chiffre pair. Et en fait, la nana, quand je lui passe en caisse, elle en a compté 5. Elle était là, 5, c'est bon. Et du coup, elle marque 5, j'ai rien dit. Mais j'en avais bien 6. Voilà, ça c'était 85 centimes le set de table. Voilà, pour ça. Bon, et du coup, il y a David qui a récupéré les petits cadeaux de Nono qu'il a reçus du Père Noël de l'école. Oui. Voilà, donc c'est ça, un livre. Que tu vas lire, n'est-ce pas? Oui. Hein? Oui. Tu vas le lire? Voilà, un petit livre, ça s'appelle « Intrigue royale au château ». Et ensuite, un petit jeu d'origami. Voilà, je crée des origamis et je comprends la géométrie. Voilà, c'est un petit kit avec des trucs. Il y avait ça à l'intérieur. Petite règle, stylo, enfin un crayon. Avec... Tu comprends que c'est mauvais que j'ai de la règle, Noël ? Je sais. Avec... Sauf que je le sais. C'est pas des post-it, mais c'est des feuilles. Des genre ouais, pour papier. Pour faire de l'origami. Ouais, de base, c'est pour faire de l'origami. Hier, Aria, elle a eu son cadeau aussi, mais je sais pas, elle l'a mis dans sa chambre. Elle, c'était une tour Eiffel 3D à construire, donc on a fait hier, du coup. Et un livre aussi. Voilà. Ils ont été gâtés, hein, par l'école. Ouais, par l'école. Bah ouais. Ah, et je voulais vous montrer les feutres là que j'ai achetés, les feutres pailletés. Ils sont magnifiques. Franchement, ils sont super jolis. Regardez-moi comme ça brille. Franchement, ils sont trop trop beaux. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h32. Je suis pas mécontente d'être au lit quand même. Là, je suis contente. Vous avez vu, j'ai fait une croziflette. Alors, elle n'était pas comme d'habitude parce que... en fait, c'est toujours moi qui gère les stocks de bouffe, etc. dans le frigo. Enfin, c'est toujours moi vu que c'est moi qui cuisine. Et mercredi, quand j'étais allée me faire enlever l'implant, David avait cuisiné, vous savez, pour quand je rentre, il avait fait à manger. Sauf que j'avais pas capté qu'il avait pris une brique de crème fraîche. Donc moi, tout à l'heure, quand j'étais aux courses pour acheter lardon, crozet, etc. pour la croziflette, dans ma tête, il me restait encore une brique de crème fraîche dans le frigo. Et en fait, j'avais complètement oublié que David l'avait utilisé. Ce qui fait que je suis rentrée. Alors, j'ai même pas regardé. Hein, j'ai commencé à faire mes crozets, à faire revenir les lardons, les oignons et tout ça. Je vais dans le frigo pour chercher la crème fraîche. Et là, je me dis... Putain. Plus de crème fraîche. Enfin, il restait un tout petit fond dans un pot. Vous savez, de crème fraîche, là, la crème épaisse. Il restait un fond. Et j'ai dit, oh putain, ça va être sec quoi en fait. Donc j'ai utilisé le fond de crème fraîche qui restait. Et un peu de lait en fait. Parce que quand t'as pas de crème fraîche, tu fais avec les moyens du bord. Donc j'ai pris du lait. J'étais dégoûtée parce qu'en plus il était 19h30 quand on s'est rendu compte de ça. Parce qu'on aurait pu aller à l'épicerie du village vite fait. Mais en fait, ça ferme à 19h30. Voilà. Donc les crozets étaient bons quand même. Mais ils étaient pas comme d'habitude.
pas autant crémeuse, quoi. Donc, mais bon, c'est pas grave, hein. Ça c'est quand même mangé, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Allez, autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.